Monsieur le Président, et j'ai ici plus de 2600 signatures de citoyens qui s'opposent à la coupure des services à Poste Canada, étant donné que ça va couper des emplois et que c'est un service essentiel public qui tend à être privatisé. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés, dont les membres de la STTP, chez moi, les postiers et posteurs et les citoyens. Et je suis très heureuse de pouvoir les déposer aujourd'hui en cette chambre, étant donné qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont en cause, des organismes communautaires qui vont se voir couper le service, les entrepreneurs et les citoyens également. Alors, voilà.